Bonjour. On va traiter un exercice sur les probabilités, plus précisément sur la variable aléatoire. L'exercice est le suivant. Un jeu consiste à lancer un dé à 12 faces, parfaitement équilibré. Deux des faces sont numérotées de 1 à 12. Le jeu consiste à lancer une fois le dé, une seule fois. On considère la variable aléatoire x qui est associée à chaque valeur du résultat sans nombre de diviseurs. Bon, la première question, calculer x oméga. La seconde question, calculer la loi de probabilité de x. La loi de probabilité de x. Bon. Soit oméga, l'univers des issues de ce jeu. Donc, oméga, pour prendre, puisqu'on a lancé le dé une seule fois, donc les valeurs possibles, bien, les possibilités de ce jeu sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, oméga, il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, alors, on va associer. Donc, le x oméga, pardon, on va dresser un tableau tout d'abord. Ici, on va noter chaque résultat, Ri par exemple, ou bien xi, chaque événement élémentaire, petit xi, pardon. Les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, nombre, pardon, nombre des diviseurs du XI. Voilà. Bon, les diviseurs de 1 sont 1. Ici, dans N, c'est 1. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2, donc c'est 2. Les diviseurs de 3 sont 2, les diviseurs de 4 sont 1, 2, 4, c'est 3. Les diviseurs de 5 sont 2, les diviseurs de 6, 1, 2, 3, 6, donc c'est 4. Les diviseurs de 7, c'est 2, les diviseurs de 8, c'est 4, nous avons 1, 2, 4, 8, donc c'est 4. Les diviseurs de 9, 3 au carré, donc c'est 3. 1, 3, 9, donc c'est 3. Les diviseurs de 10, c'est 4. 1, 2, 5, 10. Les diviseurs de 11, 11 est premier, donc c'est 2. Les diviseurs de 10, de 12, pardon. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Donc c'est 6. Alors, les valeurs de oméga sont 1, 2, 3, 4, 6. Donc les valeurs que tu peux prendre
x, 101, ce sont les valeurs qui fait, ce sont les chiffres qui figurent ici. C'est le nombre de divisions. Nous avons 1, 2, 3, 4, 6. Donc, on va chercher la loi de probabilité pour x est égal à 1. Nous avons 1 qui a un seul chiffre qui a un seul diviseur, c'est 1. Donc c'est cardinal de x est égal à 1 sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est 12. P de x est égal à 2. C'est égal à cardinal de x est égal à 2. Sur cardinal de oméga qui est égal, on va compter le nombre de deux ici. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 sur 12. P de x est égal à 3. Si 2, 1, 2, cardinal de x est égal à 3, sur cardinal de oméga qui est égal à 2 sur 12, pour x est égal à 4, est égal, pardon, à cardinal de x est égal à 4, sur cardinal de oméga. Nous avons combien de 4 ici? 1, 2, 3. C'est 3 sur 12. Pi de x est égal à 6, est égal cardinal de x est égal à 6 sur cardinal de oméga qui est égal. Nous avons 1 sur 6, un seul chiffre 6 sur 12. D'où la loi de probabilité et le tableau suivant. Petit x, pardon. P du x est égal à xi. Pardon. Voilà que nous avons 1, 2, 3, 4, 6. Pardon. Ici, pour x est égal à 1, nous avons 1 sur 12. Pardon. C'est 1 sur 12. Pour x est égal à 2, c'est 5 sur 12. Pour p de x est égal à 3, c'est 2 sur 12. Pour p est égal à 4, c'est 3 sur 12. Pour x est égal à 6, c'est, pardon, 1 sur 12. En faisant la somme, 1 plus 5, c'est 6, plus 2, 8, plus 3, c'est 11, plus 1, c'est 12, 2 sur 12 est égal à. Voilà pour la première question. Nous avons ici la première question, c'est x oméga. La réponse, donc voilà, pour la loi de probabilité, c'est le tableau suivant. Voilà. Merci pour votre attention.